Wow, rebonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien pour arriver à notre canal. Donc aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons apprendre une autre, en tout cas, leçon. Et cette leçon, c'est toujours sur les verbes ordinaires, réguliers, irréguliers. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons commencer les verbes commençant par la lettre C. Okay, donc, et les leçons. Concernant les verbes commençant par la lettre C, nous allons les diviser en deux parties. Voilà, nous allons faire une première leçon sur la lettre C, ensuite une deuxième leçon. Ok? Voilà, donc il faut s'installer très confortablement. Voilà, il faut prendre note si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire aussi, il faut l'enregistrer. Voilà, il faut l'enregistrer. Le temps pour suivre le cours. Voilà, comme je vous le disais. Dans la leçon précédente, nous avions parlé du document. Il nous a dit qu'il allait vous présenter le document. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes donc vous présenter le document. Voici le document. C'est le guide. Le guide, c'est le document comme ça. Guide du verbe pour maîtriser l'anglais. Voilà. Et voici le document qui est là. Voilà. Donc, parce que voilà, chacun doit pouvoir l'avoir. Et tout le monde, du moins, c'est le document, on appelle ça le vademecum. Voilà, chacun doit avoir son document pour suivre le cours. Et ce document doit être avec vous, où que vous soyez, pour pouvoir vraiment maîtriser la langue anglaise. Donc, c'est notre vision. Un élève ou chaque personne son livre. Une personne son guide. Ok, une personne, un guide. Une personne, un guide. Donc, voici le document. Voilà, pour tous ceux qui veulent avoir le document, il faut nous appeler sur le 74 72 83 26, bien sûr, avec le code de Burkina Faso, plus 226, ou bien le 72 964 10. Ok, voilà, merci de nous suivre. À la fin, je vais donner mon mail. Voilà, merci bien. Voilà, ok, donc, vous l'avez dit, nous allons commencer avec notre leçon. Et sur le comment ça va le C. Ok, je vais traduire cela un peu en anglais. Ok, good morning, good afternoon, dear brothers, welcome to our channel. Today we'll see the lesson on the lesson the letter C. Ok, and this lesson will be divided into two parts. We'll see the first part with the letter C, and then after we see the second part. Ok, last time I have told you when we were saying the verb starting with the letter B. Well, we say this that lesson. I have told you that I will present you the document. Here is a document, right? Like guide de verbes pour maîtriser l'anglais. Here is a guide, guide of verbs to master the English language. Okay, if you want it, you can join us with our phone number 7472832 7. Okay, thank you very much. It's not expensive. It's not expensive. Ok, it is 1000, 1000 francs simplement. 1000 francs, chaque document, chacun doit avoir son document, le document coûte simplement 1000 francs. Ok, pour suivre le cours. Donc, nous allons continuer notre leçon sur la lettre. Donc, je vais rappeler ici, là, cette première partie-là, comme nous sommes sur la lettre C, et cette première colonne que vous voyez là, cette colonne, c'est le présent. C'est le présent. Normalement, il doit mettre tout cajol, ainsi de suite, mais ici, là, cette première partie, c'est le présent. Voilà, et à la troisième singulier, il ne faut pas oublier de mettre le S si le verbe est terminé par des lettres. Même si le verbe est terminé par S, DS, SH, CH, X, Z, et puis O, il faut mettre ES. Et puis aussi, le verbe qui est terminé par Y, c'est d'une consonne, on met la lettre Y, et on transforme la lettre Y à I, et on ajoute ES. C'est bon? Voilà. À part ça, tout le reste, à la troisième singulier, on met SS. C'est bon? Voilà, maintenant ici cette partie-là c'est le prétérit. Le prétérit ou le simple past. Okay? Et ici c'est le past participe ou le PP. Ici nous avons le sens, hein, la traduction en français. Ok, the meaning. Ok, let's go. Ok, entortillé, amadoué, calculated, compter, chiffrer, calculer, called, convoqué, cité, appelé. Camouflage, faire tromper, camoufler, ok? Campaign, faire campagne, can, could, pouvoir, savoir, être capable de. Ok, il faut savoir que le mot can là, ici, là, on ne peut pas du tout can. On ne peut pas du tout can, c'est un verbe à particule, qui est très particulier.
Ils sont au nombre de 11, 12 comme ça. On appelle ça le modo. Eux, ils ne peuvent pas se mettre à la forme infinitive. Ils peuvent prendre S à trois personnes du singulier. Voilà, ils ne peuvent pas aussi se mettre aussi au passé ni au futur. Voilà, donc pour les mettre soit au passé ou au futur, on prend les équivalents. Ici, par exemple, can, on va dire son prétérit, on va dire could. Par exemple, on va dire could simplement. Voilà, mais ce sont les équivalents qu'on utilise. Voilà, il y a une leçon sur ça dans nos vidéos. Vous pouvez chercher à comprendre un modo. Auxiliary Masculine Language, ok. Lesson on Modal Verbs, ok. Or Modals, ok. Si vous voyez, vous allez voir du coup là-bas, par rapport à ça. Donc, on continue avec Cancel. Cancel, 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 résilier, abroger, entraliser, ok. On va supprimer, annuler. Cane, 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 bâtonner, rouer, caner, ok. Capsize, 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 chavirer, captiver, captivated, captivated, fasciné, attiré, captivé, capture, captured, captured, capté, capturé, attrapé, agrippé, care, care, cared, s'occuper, s'occuper, se soucier, ok, s'occuper, se soucier, s'occuper, se soucier, s'occuper, se soucier, de soigner, ok. Caress, care, caress, caress, caressed, caressed, caressed. Ça c'est embrasser, embrasser ou bien caresser, embrasser ou bien caresser. Caress, caress, caressed, caressed, embrasser ou bien caresser. Il y a un autre verbe qu'on appelle kiss, ok. Voilà. Donc, continue avec carry, carried, carried, transporter, transporter, emporter. Cove, coved, coved. Dépecer, tailler, découper, sculpter, ok. Cast, 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 jeter, ok. Castigate, castigated, castigated, corriger, fustiger, châtier. Castrate, castrated, castrated, emasculer, 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 mais castré, emasculer, mais castré. Ok, catch, cut, captiver, attirer, comprendre, categorized, catégoriser, ok, catégoriser, voilà, caused, occasionner, susciter, faire, ok, caved, se pencher sur, s'intéresser, ok, seized, couper, cesser. Ok, celebrate, celebrated, celebrated, fêter, glorifier, célébrer. Ok, cement, cemented, cemented, cimenter, censor, censored, censored, censurer, censure, censured, censured, critiquer, blâmer, censurer, certify, certified, certified, confirmer, homologuer. Ok, homologué ou bien accrédité, certifié, attesté. Chain, chain, chained, chained, enchaîné. Cheer, cheered, cheered, présidé. Ok, challenge, challenged, challenged, défié. Change, changed, changed, modifié, changé. Channel, channeled, channeled, canalisé. Ok, chant, chanted, chanted, chanté. Ok. Characterized, caractérisé. Charge, charged, charged, ça c'est dévoilé, mandaté, chargé. Ok? Ok. Charm, charmed, charmed, enchanté, séduire, charmé. Ok. Chart, charted, charted, planifié, tracé. Ok. Charter, chartered, chartered. Accorder ou établir une charte. Okay. Chase, chased, chased, poursuivre, chasser, pourchasser. Okay. Chastise, chastised, 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 punir, corriger, châtier. Chat, chatted, chatted, bavarder, parler, causer. Chatter, chattered, chattered, blaguer, caqueter. Jacassé ou bien jassé. Ok. Cheat. Cheated. Cheated. Escroqué. Truqué ou bien dupé. Ok. On a cherish. Cherished. Cherished. Chérir ou aimer. On a chew. Chewed. Chewed. Mastiquer. Mâcher. Ok. Chide. Chid. Kid. M'originer ou bien réprimander. Ok. Choke. Choke. Choke.
Choke, ok. Choked, choked, ok. Ici, nous allons corriger. Choke, choked, chose, chosed. Ça, c'est absurde, étranglé ou bien suffoqué. Ici, le mot choke, on va mettre ici choke, ok. Choke, choke, ok. Ok, choke, choke, ok. Ok, choken ici, choken, choken, ok, choken, choken, ok, choken, ok, obstruer, étrangler, suffoquer, right, chosen, ça veut dire opter pour sélectionner, tirer, ok, là, chop, chopped, tailler, hacher, ok, christened, baptisé, chuckled, rire, circulated, diffusé, répandre, circuler, circumcised, circoncire, circumnavigated, contourné, doublé, ok, circumscribed, circonscrire, restreindre, délimiter, ok, circumvented, circonvenir, tourner, sighted, allégé, cité, ok, civilized, civilisé, claimed, réclamé, revendiqué, clap, ok, clapped, claquer, taper, applaudir, ok, clarified, élucider, éclairer, clarifier, clashed, heurter, affronter, classified, trier, classer, classifier, ok, cleansed, ok, purifier, nettoyer, climbed, graver, monter, grimper, ok, cling, clang, couler, s'approcher, clocked, colmater, boucher, obstruer, ok, continuer avec cloned, faire du clonage, closed, obstruer, clôturer, barrer, clotted, cahier, cloved, ou bien, on peut dire cloved, clad, qui veut dire habiller, vêtir, mais revêtir. Ou bien encore, on peut prendre ce verbe-là, ça peut être un verbe, on veut dire clad, clad, qui veut dire habiller, vêtir, revêtir. Ou bien clad, cladid, qui veut dire habiller, revêtir, revenir. Donc, pour le mot cleuve, on peut avoir deux verbes. On a cleuve et on a clad. Vous voyez, le prétérit des cleuves là, ça aussi c'est un autre verbe, tout clad. Tout ça, ça veut dire habiller, vêtir, revêtir. Ok, cleuve, clad, cleuved, mais clad, mais cleuved, ça veut dire habiller, vêtir, mais revêtir. Ok, coat, coated, couvrir, enrober, enduire, coxed, amadoué, ok, coincided, coïncidé, concordé, coexisté, collaborated, collaboré, ok, collapsed, s'écouler, tomber, s'effondrer, ok, la collected, rassembler, récolter, ok, collided, entrer en collision, heurter, ok, colonized, coloniser, combated, combattre, se battre, lutter, combined, combiner, fusionner, unir, réunir, came, venir, arriver, aller, ok, voilà, comforted, consoler, réconforter, commemorated, commémorer, commenced, entamer, débuter, commencer, commanded, louer, recommander, faire l'éloge,
commented, ajouter, commenter, observer. Ok, commissioned, délégué, mandaté, commissionné. Ok, committed, commettre, confier, remettre. Ok, communicated, transmettre, communiquer, commuted, changer, échanger, commuter. Ok, compared, égaliser, comparer, compared, forcer, assujettir, contraindre, compel. Ok, compel, toujours le même verbe, compel, faire, forcer, contraindre. Ok, c'est le même sens. Ok, compensated, récompenser, rémunérer, dédommager. Ok, competed, rivaliser, compiled, compilé, ok, complained, se plaindre, accuser, ok, et enfin on a completed, compléter, achever, achever. Ok, ouais, finir, complete, achever, finir, complimenter, ok, complied, se conformer, complaire, compare, ok, composed, agencer, constituer, composer, comprised, renfermer, contenir, comprendre. Donc nous allons nous arrêter ici pour cette première leçon, ok, sur les verbes commençant par la lettre C. Ok, donc thank you all, merci beaucoup, merci de nous suivre. Donc cette première leçon sur les verbes commençant par la lettre C, ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, nous allons nous retrouver une prochaine fois et nous allons faire ce cours avec vous. Ok, vraiment merci infiniment. Nous sommes très ravis de partager ce cours avec vous. J'espère que vous aussi vous êtes contents. Vous allez réellement apprécier. N'oubliez pas de nous abonner si ce n'est pas encore abonné. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il faut s'abonner. Il faut liker, partager aussi les vidéos avec vos camarades. N'hésitez pas à faire des commentaires, construire des phrases aussi. Vous voyez en bas ici, là où on dit de faire des commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et ce sera un réel plaisir pour nous de vous lire. Ok, comme je disais, mon mail, c'est Draman et mon mail. Pour ceux qui veulent m'envoyer des mails, c'est Draman sans E, dramankindo@gmail.com. Ok, mes contacts pour ceux qui veulent le document, c'est le 74-72-83-27, ok, sans oublier, si vous n'êtes pas au Burkina, c'est le code de plus 226, ok, merci beaucoup, et au revoir, à la prochaine, goodbye, we keep in touch, bye.